Ah, pile à l'heure, pile à l'heure. On va enlever la musique du coup. Enfin, je vais juste régler un peu le son pour voir si tout va bien. Alors. Enfin, je vais juste régler un peu le son pour voir si tout va bien. Ok, bon, on m'entend très bien. Alors, c'est parti. Je vais lancer le jeu. Je vais vous mettre l'overlay. Tout va être bon. On va pouvoir lancer ce jeu de l'enfer. Je vais pouvoir chier du sang. Vous allez pouvoir être content. Ça va être parfait. Hype! C'est le tronc de la hype! Hype! Je sais pas si t'as la Ah! Tu mettre le jeu s'il te plaît. Ah. Donc normalement vous voyez le jeu. Attendez. Donc je vais voir si le chat fonctionne. La fre... wesh, qu'est-ce t'écris, mon ref? Qu'est-ce t'écris, mon ref? Déjà, est-ce que pour vous, le son est bon? Est-ce que c'est bon pour vous? Qu'est-ce t'écris, mon ref? Déjà, est-ce que pour vous, le son est bon? Est-ce que c'est bon? Ok, bah, le son est bon. Juste le baisser un tout petit peu, genre, tout petit peu. Voilà. Voici le jeu, let's go. Le son est un peu trop fort. Vas-y, bah je vais le baisser encore un peu. Voilà. Là, ça devrait être bon. Attends, je vais goûter. Ok, bah ce que je vois, je vais le baisser encore. Et là, c'est mieux? Bon, là, tu te fous de ma gueule. Hein, tu te fous de ma gueule. Je sais très bien qu'il est très bon. J'entends très bien. Hein. Du coup, vas-y. Je vais aller dans le jeu. Alors. C'est vrai que le jeu est en anglais. Bien sûr, on va jouer en mode difficile. Alors, il y a longtemps, il y a eu une légende. Bon, on s'en fout de ça. Je vais lire un peu l'histoire. Enfin, je vais vous résumer. Après les dragons, bah, le continent il a continué. T'as le royaume d'Etruria, l'un des plus grands. T'as Burn qui est celui qui a la meilleure militarie. Eux c'est les plus forts. Et ensuite t'as les plus nuls. T'as Lycia League, c'est plusieurs nobles en fait. Ensuite t'as Ilias, c'est un pays de la neige. Et t'as Sakae, c'est un pays de nomades, c'est des indigènes encore. Et en fait, le nouveau roi de Burn, bah, il attaque tout le monde. Et c'est pas bien. Et Roy, il veut rentrer chez lui, mais il y a des bandits, ils attaquent le château. Et c'est pas bien. Ouais, je sais, c'est pas grave s'il dépasse le jeu. Et du coup, bah, les bandits, bah, c'est pas bien. Et du coup, il faut tuer les bandits. Voilà. Je vous ai résumé un peu l'histoire. Pourquoi j'ai pas de stéréo?
Attendez, juste je change des trucs. Je n'aurai pas le droit d'utiliser des... Roy de Smash, ouais les gars, attendez, juste... Je vais juste quitter le jeu et revenir. Je sais pas pourquoi j'ai pas de stéréo. C'est bizarre. Comment ça, stéréotype? J'ai rien dit, poteau. Hein. Alors. Là, vous entendez le jeu. Ouais, là, ça devrait être bon. Ah, c'est mieux. Alors. On a Roy. Let's go, celui de Smash. Non, c'est bon, la stéréo, elle remarche. C'est juste des fois, ça bug. T'as Roy. Roy, celui de Smash. Celui qui est trop fort dans Smash et qui est éclaté au sol dans ce jeu. Je vous jure qu'il est nul, 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 nul. Il est trop nul. C'est aberrant comment il est nul. Erika, ça allait. Ike, ça allait. Mais lui, comment tu le vois dans Smash? Tu vois, il doit être trop fort dans son jeu d'origine. Alors qu'il est claqué au sol. Il est nul. On va essayer de l'utiliser quand même, mais il est nul. Roy, la terreur de Bowser. Non. Non, non. Attends. On fait ça. Paf. Voilà. Du coup, je n'aurai pas le droit d'utiliser les safe states. On va se mettre ici, comme ça ils pourront build leur support. Alors on a Volt, c'est le meilleur ami de Roy, et lui aussi il est éclaté au sol. Hein. Tel ami, comme on dit, ils sont vraiment éclatés. Les deux ils sont nuls, mais c'est pour ça que j'ai envie de les utiliser. À part Roy, de toute façon je suis obligé de l'utiliser. Roy le gardien d'arène dragon. Non, j'ai pas cette ref, je l'ai pas. Désolé. Je sais, tu voulais que j'ai cette ref, mais... Alors, on a aussi les deux Christmas Cave. Oui, oui, vous avez très bien entendu Christmas. On les appelle comme ça, en tout cas, dans la communauté. Attendez, mais... les messages, ils partent jamais ou... Ils restent à l'infini, là. Attends. Bizarre, là. C'est gaulement ou quoi, là? Non, pas toujours affiché, le message. Est-ce qu'ils partent là? Laisse-moi voir. Tu peux créer des messages STP? Ou MDR? Wesh! Ils ont disparu, d'accord. Attends. Comment ça attend? Non. Bref. Du coup. On a Lance. Alors lui, c'est le. En fait, on a deux cavaliers dès le début. On a Lance. Lui, c'est le cavalier rapide, mais qui tape pas très fort. Donc, en gros, lui, il va plutôt double les ennemis, parce que quand t'as 4 de vitesse de plus que ton ennemi... Par exemple, là, non. Ouais, non. Quand t'as 4 de vitesse de plus, tu l'attaques 2 fois, en un tour. Alors que lui, Allen, ça va plus être le puissant. Il va pas être très rapide, il va pas souvent double, mais il va attaquer fort, il va taper fort. Ensuite, on a Marcus, bien sûr. En fait, il est fort au début du jeu, vous voyez ses stats, vous dites, waouh. Franchement, comparé à tout le monde ici, c'est le plus fort. Pour l'instant, il est fort, mais après, il va devenir éclaté, lui aussi. Et on a Bors. Alors, il y a de la défense. Mais c'est tout. Donc, on ne va pas l'utiliser, j'ai pas envie de l'utiliser, il est trop nul. On va faire comme ça, on va mettre Marcus ici, paf. Et on va terminer le tour. Alors, ouais, il y a des renforts et tout. T'es quel château? Paf, Marcus. Voilà. À chaque fois que j'essaie d'utiliser Volt, il devient éclaté. Vraiment, il. Je sais pas comment c'est possible d'être nul. Esquive, s'il te plaît. Ah, bah, il a pas esquivé. Un peu le seum. Ah mais c'est vrai, je peux pas voir la barre de vie. Ça fait bizarre de jouer à des ROM hack où tu vois la barre de vie et là tu la vois plus. Ça me fait bizarre.
Du coup, ça va me faire faire des erreurs parce que dans les remakes, quand t'as tous tes points de vie, bah ils les montent pas en fait. Du coup, j'ai l'impression qu'ils sont tous tous leurs points de vie. Alors, du coup, va falloir que je check les points de vie. Vas-y, Marcus, tu vas faire ça. Attends, t'es parti, Goomba? Déjà? Mais pourquoi ça sort pas? Pourquoi les messages ils sortent pas? Ils restent là pour toujours là? J'ai pété un câble? Alors, ne pas toujours afficher les messages. Les badges. Le texte. Ouais, bah, je pense qu'en vrai, pour cet épisode-là, je vais enlever la chatbox. Oh, j'ai trop bougé le truc. Je réglerai ça plus tard. Parce que... Je réglerai ça plus tard, parce que ça marche pas beaucoup. Je verrai avec Grafus, c'est lui mon... C'est lui mon, la personne, tu sais, de technical support, là. Ouin, ouin, ouin. Ouais, bah, écoute, moi, je veux la meilleure qualité pour mes viewers. Du gaming, donc il faut faire ça. Ouh. Mais tabarnak, colis, tabanouche. Allez, mais pourquoi il bouge si lentement? Je me rappelais pas qu'il bougeait si lentement. Tabanouche. Mais Goomba, le poteau, il part, il revient. On sait pas ce qu'il a. Allez, on continue. 11 points de vie. Ouh. Ok, t'as esquivé. Tu le demeules pas, tu fais 0 dégâts. T'es nul. Ouh, t'as esquivé les deux. C'est bien. Du coup, il a pris un peu de dégâts. Un peu. C'est juste aberrant la nullité de ce mec. Hein. Pourquoi il est nul? Pourquoi il aurait été nul? Alors. On lui met une grosse épée dans la tête. Et que ça coupe au bol là. On va plus entraîner Allen, celui que je préfère. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Faut bien que je compte pour savoir où il peut aller. Ouais, on va faire ça. Pou! Ah. Bah, je suis dans la merde. C'est le cas de le dire. C'est vraiment le cas de le dire en plus. Je sais pas quoi faire. Ah, je peux faire ça. Et si lui il meurt, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. D'accord. Bah, incroyable en tout cas. Hein. Let's go. J'ai pas envie de prendre des risques avec lui. On fait ça comme ça. Oula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 l
Drop aller là-bas pour prendre l'objet. Bon, Marcus, je vais te donner un kill, mais c'est pas le plus optimal. Tu le tues. T'as les deux petits fighters là qui arrivent. On va grind les supports. Ça peut être intéressant. Voilà, tu prends l'argent. L'argent, 5000 gold quand même. Hein. Je sais pas ce qu'elle nous a dit, mais l'argent est plus intéressant que ce qu'elle dit, je suppose. Je pense que, ouais, lui peut m'attaquer. On va essayer de grainer les supports comme ça. En gros, les supports, c'est quand... Non, mais... Déjà ? No way, je continue le jeu sans lui. J'ai besoin de lui. Je peux pas continuer sans lui. Il y a un chapitre particulier, sans lui ça va être affreux. Affreux. Est-ce que je continue? Je me demande. Est-ce que je continue? Attends. Alors, comment ça t'es là? Bref, du coup j'ai eu un mort. Continue, tu vas. Est-ce que je peux assumer? Je me demande. Est-ce que je. Non, vraiment, c'est une vraie question. Parce que là, continuer, ce serait gâcher du temps pour plus tard. Mais. Attends. Bref, tu veux la souffrance? Bah ok, tu veux de la souffrance, hein, bah... Déjà, j'ai perdu des items. Bah j'aurais ma souffrance, hein, écoute. Ah, et du désespoir aussi, tu veux. Mais toi, t'as envie que je despawn, en fait. Ok, il esquive. En fait, Marcus, il sait juste à chip les ennemis. Comme ça, ceux qui sont un peu moins forts, bah, il peut les pick up pour gagner de l'XP. Du coup, je vais attaquer avec ta Iron Sword. Par contre, si l'autre cavalier meurt, c'est mort. Je recommence. Comment ça, mon ref? Wesh. Oh, ouais. J'ai mis l'avance rapide, j'ai gagné quoi? Mais oui, c'est ça ma touche pour l'avance rapide, je suis trop bête. Wesh, l'avance rapide, le tour, il est passé en 2 secondes, on a rien vu. Alors, je crois qu'il s'est fait toucher et il a gagné... Je sais même pas s'il a gagné une stat. Je peux pas voir la différence. Tu vois, là, ça peut servir, mais... Vas-y, je vais donner le kill à Volt. Comme ça. Non. Alors, reset le jeu. Voilà.
On va erase tout. Voilà, hard. Et on va... Non, mais il s'est rien passé. Il s'est jamais rien passé. C'est la première fois qu'on commence le chapitre. Oh, il est trop lent, putain. Voilà, comme ça. Cette fois-ci, on... Non, on va pas avec Lens, on va continuer avec elle. Du coup, c'est la première fois que je fais ce challenge aujourd'hui. Il est 19h20, j'ai un peu en retard, c'est tout, ça arrive. Alors, l'ennemi phase, qu'est-ce qui va se passer? Ok, déjà, il se fait toucher. Ça commence bien. Ça commence bien, hein. Mais quoi? Mais je fais que de me faire toucher, mais... Calmez-vous. Faut respirer un peu. Allez. On va continuer à faire ça comme ça. On donnera le kill à Alain, tiens. Mais arrêtez! 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 Ouh là 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 là! Attends, attends. 18. Moins 6, ça fait 12. Donc on va bien rester gentiment ici. Pas de problémo, pas de cacarino. Comme dirait Polo. Ouais, ça sert littéralement. Du coup, il s'est passé juste ça. Rien, quoi. Vous savez quoi? Pour le premier chapitre, on va désactiver les animations. Ça. Ça va aller plus vite comme ça. Alors. Ah ouais. Ah ouais, il a pris cher quand même Marcus là. Agilité, on va trade. Oh, je suis trop intelligent. Je vais déjà reset. Alors, réinitialiser. Alors, on va réinitialiser parce que bah Alain il a failli mourir. Allez, c'est reparti pour un tour. Je vais tout mettre en rapide. Hein. Ça va peut-être un peu trop vite. On va enlever les animations de Diago. Moi je suis cru, je suis ferme. Mais je suis pas fermier. Voilà, on fait comme ça. Du coup, Marcus il attaque le bandit. Il le met à l'eau. Il le met l'eau, comme ça on peut le piquer, comme ça on peut le prendre. Arrêtez de m'attaquer, c'est bon. The prophecy is true. Enfin, je ne meurs pas. Alors.
paf. Mais tu crois que t'es où? Tu crois que t'es où? Tu crois que t'es où? Comment ça tu touches 2-30% là? T'es un ouf toi? Alors, voilà, tu chip damage un peu. Là tu pourras pas, c'est dommage. C'est fort dommage, ouais. Non! J'ai fait une terrible erreur. Comment je vais faire? J'ai pas envie de reset encore. Comment faire? Solution. Ça va, elle est bien la solution. Voilà, on attaque. Du coup, si on fait ça, paf. Lui ne pourra pas nous attaquer. Parfait. On l'attaque. Oh, le coup critique. Vous l'avez pas vu, dommage. Le combo ne pourra pas tuer Lance, donc c'est parfait. Aïe. Toi, tu vas le chip, comme d'habitude. Toi, tu le tues. Het. Salut l'allemand. Je suis sûr que c'est du néerlandais en plus. Ok, ça va. Ça va, ça se passe bien ta game? Bah, j'ai perdu 2 fois. Donc je me demande si ça se passe bien moi aussi. J'ai la même question. Je sais pas, je voulais dire hey. Moi je croyais que tu parlais le belgicain. Ça existe le belgicain. C'est une langue certifiée bio élevée en plein air. Ça. Oh, il le tue, let's go. Oh, bon level up. Bon level up, mais tu restes nul. Ouais, voilà. Faut dire les termes, quand faut dire les termes, tu restes nul. Si c'est une langue bio, je prends. Ah bah franchement, éco-responsable en plus, hein, donc en vrai tu devrais prendre pour la planète et tout. Faut faire attention à la planète. Je suis en train de dire n'importe quoi, je dis que de la merde. Allez, tu le tues, voilà. Roy il me fait un peu peur là. Il est un peu trop bas en termes de vie. Pareil pour Lens. Donc toi tu visites, voilà. Tu nous donnes l'argent. L'argent. Donc lui vient nous attaquer. Ok, tu chip damage, c'est bien, c'est bien. On donne le kill à Roy. Alors ne t'inquiète pas, c'est pas les animations du jeu, c'est juste que j'ai enlevé les animations parce que. À force de perdre, tu vois, t'as envie de faire le premier level vide, vu qu'il est pas très intéressant. En vrai, tu combats juste des bandits, quoi. C'est cool, les bandits. Mais non. Ce sont des assassins. Donnez-moi une potion. Alors. On met Marcus ici. Avec l'Iron Sword. Et on continue. Bon, c'est en vrai, tu peux faire tout ce que tu veux. Ok. Bah, parfait. Du coup, t'as pas retenté l'effet que t'avais perdu la dernière fois que je suis venu. Non. Je ferai une saison 2. Dans quelques temps. Probablement longtemps. Une saison 2. Parce que déjà, j'ai fait déjà les 2 Fire Emblem les plus simples et j'ai perdu. Je me suis dit, bah. Pourquoi pas faire l'un des plus durs? Alors, ça m'a tiqué dans la tête. Je me suis dit, mais il faut faire Fire Emblem 6. Logique. Vu que c'est l'un des plus durs.
Du coup, bah, j'ai déjà souffert parce que j'ai quand même perdu deux fois dans le même chapitre. Et ça vient. Du coup, j'ai pas pu te présenter le personnage. Alors, t'as Roy. Je pense que tu le connais via Smash, hein. Il est nul dans ce jeu, hein, vraiment. T'as Marcus. Très bon en early game et nul après. Vu que t'as joué à Awakening, ce serait le Frédéric, si tu veux. Le Frédéric du jeu. Je connais pas trop Awakening, mais je sais que Frédéric, c'est... C'est le perso qui est fort au début. Ouais, ou Mario, ouais. Allen, c'est le cavalier qui tape fort mais qui est pas très rapide. Il est nul. Y a rien à dire, hein, il est nul. Il est pas ouf, mais je l'aime bien. Il peut devenir fort, mais il faut avoir un peu de chance. Mais je préfère un autre archer. Et ta lance, lui, c'est le rapide qui tape pas très fort. Ouais, tu vois. Du coup, là, c'est le début du jeu. On va avoir énormément d'unités dès le début. Ça, c'est un truc que j'aime bien avec Fire Emblem 6. C'est que dès le début, t'en as plein. T'as plein de choix. Non, Marcus, il s'est fait toucher. Du coup, on va le tuer avec Allen. Il a besoin d'XP. C'est le plus bas en termes de level. Voilà. Roy. Je sais pas ce qu'on va faire de toi, hein, t'es trop nul, Roy. Présenté comme ça, ton équipe n'a pas l'air top. Bah lui, il est fort. Les deux cavaliers, en vrai, ils sont bons en long terme. Même en court terme, ils sont bons. Sur mes 6 persos, là, sur mes 6 persos, il y en a 3 qui sont nuls. Et il y en a un de ces 3 qui sont nuls que t'es obligé d'avoir tout le temps sur toi. Ouais, donc ça va pas être fameux. Hein. Roy, il va vraiment être nul. Hein. Il sert à rien, littéralement, ce mec. S'il y avait un Fire Emblem où tu pouvais ne pas utiliser ton lore, ce serait celui-là. Tellement il est nul. Je fais que de le trash talk, hein, mais dans Smash, je l'adore en plus, ce mec. C'est ça qui me brise encore plus le cœur. C'est que dans Smash, je l'aime trop. Et ici, il est nul. Nul. Il m'a déçu. C'est. Ça m'en met les larmes aux yeux là, j'en peux plus. Jindy, on fait comme ça il le prend et il le drop le plus proche possible des ennemis. À ce point-là, ah ouais. Ouais, je te jure que Roy, déjà que tu vois ses stats médiocres, il ne peut rien double, il fait aucun dégât, il a aucune défense. C'est Roy en fait, il est nul, 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 nul. À part dans les trois derniers chapitres où il devient fort. C'est que dans les trois derniers chapitres où il devient fort. C'est-à-dire sur 25 chapitres, il y en a 22 où il est claqué au sol. Et encore, si on compte les Gaiden Chapters, ça fait environ 30 chapitres où il est nul, où il sert à rien. 30. T'as très bien entendu le jeu. À la limite, en early game, il peut utiliser sa rapière pour faire des dégâts aux cavaliers ou aux chevaliers. Et c'est tout. C'est tout. Il fait que ça. Et de toute façon, il a les serveurs à côté. À faire des dégâts? Pff, jamais entendu parler. Roy qui fait des dégâts? Non, mais... Attendez, les gars. Faut se ressaisir un peu, là. Donc toi, tu as le chip damage. Allen, tu prends le kill directement, comme ça. Il faudra le prot. Ok, bah j'ai raté. Bah, je vais essayer. Si j'avais raté encore une fois, j'aurais pété un câble. Je crois qu'on va mettre 3 ici. Ça va un peu l'attirer pour pas qu'il aille attaquer Allen. Voilà, on a fait le mur. Vous ne passerez pas. Bors, tu vas lui donner. Tu vas lui donner. Ah bah, il a déjà une potion. Ah, mais il a pris celui de Lens. Tiens. Donc, tu te mets devant le boss. Et tu utilises ta potion. Ouais, on va faire ça.
Et Marcus, on va te laisser le tuer. Et on va faire animation en deux. Pour pouvoir voir les animations splendides du jeu. Alors, vous êtes des idiots. Vous pouvez pas me battre avec quelques petits chevaliers. La petite attaque qui fait plaisir. On va grind un peu, hein. Attendez, c'est quoi ma touche, là? C'est quoi ma touche pour... Je vais juste regarder. Pour aller un peu plus vite. Vitesse rapide. Attendez. Paramètres. Ok. Appliquer. Ok. Du coup, attendez, je vais pas mettre en avance x2, mais genre en x4. Ça y est, un peu plus vite. Ok, c'est mieux. Wesh! Wesh! Wesh, le level de fou! Le level up de fou! C'est quoi ce level up de fou? Il est incroyable! Ce level up est incroyable! Masterclass, le level up là! Si je me soigne, c'est pas bon là. Par contre. Et on va faire que Volt s'il attaque comme ça. Ouais, non, finalement, je vais enlever le son des trucs rapides. C'est vraiment supportable. Comme ça, je peux aller encore plus vite sans vous casser les oreilles. Ouais, parce que... Sinon, ça va être un peu difficile. Hein. On ne va pas se le cacher. Donc rapide, avance rapide, on va mettre x8. Ouais, non, c'est un peu trop x8. Genre x6. Ouais, c'est génial. Alors. Ok, c'est bien. Je suis contre-attaque. Parfait. Ok, bah parfait. Si tu le dis. Bah j'ai pas envie que tu le relattaques parce que j'ai peur que tu le tues. J'ai besoin d'XP. On fait comme ça et on met... On remet. Cette fois-ci on met lance. Bon, tu devrais pas te faire toucher, sinon t'es un golemon. Ok, t'es pas un golemon. Alors. Bon, ça va aller un peu vite, hein. J'ai pas envie que ce soit lui qui le finisse. J'ai envie que ce soit Roy. Bon, bah, avec l'aide de ton pote. S'il touche, bien sûr. Oh, parfait. C'est exactement les dommages. Exactement. T'es mort! Oh, je suis trop fort. Enfin. Alors là, ce que je vais faire, c'est grind les supports. C'est pour grind les supports, en fait. Je sais que c'est chiant, mais c'est pour avoir les supports parce que je l'aurais besoin vraiment. Allez, ça devrait être bon. Ouais, support. Je dois grailler. Bonne nuit, frérot. Mais de toute façon, on se reverra après le live. Bon, ah putain. Voilà, le petit support. En gros, ils s'entraînent, quoi. Allez. Du coup, on réussit à reprendre le château.
Ellie Wood, le père de Roy, il est content. Et on voit Lilina, la fille de Hector. Si vous avez joué à Fire Emblem 7, vous les connaissez, sauf que personne ne les connaît. Ici, en tout cas, ceux que je connais. Bref. 100 morts! On a Deathless, je suis pas du tout mort deux fois, Deathless, les gars, Deathless. Du coup, ils sont contents qu'on les a sauvés, et maintenant, si je me souviens bien, il faut qu'on aille à Ostia. Ah non, on est parti voir des mercenaires que Hollywood il a... C'est le début, ouais. On est parti voir des mercenaires que Hollywood a engagé, c'est ça, engagé. Engagé, non? Ouais, engagé. Sauf que quand on arrive là-bas, on essaie de sauver une princesse. En mode, on joue à Mario, quoi. Allez. Alors, si tu veux connaître le challenge, j'ai fait littéralement un truc dédié sur mon Discord. Donc tu peux aller voir. Tu peux voir en quoi consiste le challenge, les restrictions et tout. Tu pourras le voir. Alors Volt. Quoi? J'ai jamais vu Volt. Quoi Volt? Non, j'ai quoi? Il double? Non. C'est ça existe pas, c'est c'est un rêve, c'est un rêve, c'est un rêve, c'est un rêve. C'est un rêve, c'est un rêve. Il peut pas double, frère. Il peut pas. C'est pas dans la physionomie, dans... Tu peux pas. En tout cas, je vais utiliser double. Hein. Let's go! T'as vu quoi? Ah mais je peux utiliser Marcus aussi pour le chip damage. Paf. Pif pouf paf pouf paf paf paf. Le no sauvegarde, ça je savais, mais ne pas utiliser les persos broken, c'est pas ne pas les utiliser, c'est essayer de ne pas les utiliser. Je vais essayer de les utiliser en cas d'urgence. En cas de vraiment, on en a besoin pour le chapitre qui arrive. C'est tout. C'est ce que j'essaie de faire en tout cas. Parce que Perceval, Milady et Rutger, si je les utilise, ça va pas être facile le challenge. Hein. Mais ça va être plus simple en tout cas. Et Goomba, il a envie de me voir chier du sang. Donc. Du coup, maintenant, on a un healer. C'est les pas ouf. Mais bon, ça reste une illuse. Et un healer, même s'il est pas ouf, au moins il te heal. Et ouais. Je viens de vous apprendre quelque chose. Ouh. Ah, là je sors d'un voyage épuisant. J'ai même pas dormi en fait. Pour prendre l'avion là. Oh le banger. Oh le banger. Je monte le son carrément. Oh le banger! C'est un banger! Masterclass! Banger incoming! D'ailleurs, Rafu, si tu veux, j'ai une playlist pour toi, tu pourrais les utiliser en live. C'est une playlist de musique tranquille et tout. Bon, je vais baisser le son quand même. Alors, on revient à la normale. On n'a pas besoin d'être trop content. Du coup, les mercenaires, ils sont là, ceux que Hollywood a engagés. Alors, c'est un groupe de mercenaires qui est plutôt sympa. Duck, Dicky. Vas-y, n'hésite pas à passer le lien sur Discord. Vas-y. Alors, du coup, on a Duck, Dicky. Je sais pas comment l'appeler. Il est plutôt bon, c'est un bon personnage. Il y a mieux, mais il est sympa. Si tu l'entraînes, il peut être sympa. T'as Wade, claqué au sol.
Moi j'ai une ma playlist. Ouais, ça c'est juste des. Quand je passais sur ton live, il y avait que ça. Franchement, d'autres musiques, ça peut être sympa. Tu pourras les checker si tu veux les écouter individuellement. Wade, il est claqué au sol. Mais cependant, un jour j'ai fait un challenge et je l'ai fait devenir fort. Attendez. Ce mec, il a 20% de chance. Il a 20% de chance d'augmenter. 20% de chance d'augmenter sa vitesse. Et regardez ce que j'ai réussi à en faire. Attendez. Je vais vous montrer un screen que j'ai fait. Ça va prendre un peu de temps, mais je vais vous montrer le screen. Wesh. Ouais, je sais, son nom, il est un peu bizarre. Finalement, je vous le montrerai à la fin du stream, en fait. J'ai un peu la flemme maintenant. Du coup, ensuite, on a Lot. Mais il est juste un peu mieux, quoi. Mais il reste pas ouf, il est nul aussi. En fait, au début du jeu, j'ai vraiment... Quand... Je suis sûr que vous m'entendez en mode, mais... En gros, ce mec, il aime aucun personnage, en fait. Genre, tous les personnages, pour lui, sont nuls. Mais non, en fait, ils sont pas tous nuls. C'est juste qu'au début, on en a pas beaucoup d'efforts, quoi. Ils font pas d'efforts. C'est de leur faute. Alors. Oh, Volts. Volts on fire, les gars. On fire. On met pas Roy dans le checkpoint. Mais... Alors, Allen, ça fait ça. Ouais, non, c'est mieux, Allen. Il fait plus de dégâts. Ah. Bah, j'ai raté. 1,91%. C'est... Dans le best of your life, ça, je le mets. Juste, je vais tenter de mémoriser un peu. Donc, déjà, 4 minutes 5. 4 minutes 8, plutôt. Enfin, 48 minutes. Et à ce moment-là, comme ça, je sais que je le mettrai dans le... Plus de dégâts s'il touche. Comment ça, plus de dégâts s'il touche? Tu sais qu'il n'attaque pas deux fois, hein. Il est trop lent. Il a que 9 de vitesse, alors que les fighters, là, ils en ont 7. Et il faudrait qu'il ait 11 de vitesse pour pouvoir les attaquer deux fois. Ah. Lui, il arrive à les attaquer deux fois, mais de toute façon, les... Prends un bloc, note ou un clip. Non, mais en fait, la dernière fois que j'ai eu un moment comme ça où il était super intéressant, bah je l'ai plus jamais retrouvé de ma vie. J'avais le seum, du coup, je fais comme ça. Je prends un screen avec mon téléphone. On va utiliser Shanna pour voler un peu. Alors, la Pegasus Knight, elle est pas mauvaise. Elle est nulle en force, mais par contre, elle est plutôt rapide. Ceux qui disaient qu'il faisait plus de dégâts. Le rouge fait plus de dégâts. Le vert est plus rapide. Voici la différence. Maintenant, tu la connais. Tu... Moi, je me moquais juste MDR. Ah. Bah, coup de jour. Esquive. Let's go. Touche. Let's go. Oh. Non, 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 non. Je voulais pas tout passer. Ça, j'ai pas passé énormément. Paf! Plein de dégâts, let's go! Alors, le support avec lance, il lui donne un point de dégâts supplément. Allez, Hélène a failli mourir, ça, ça passe dans le best-of. Voilà. Je pense des mini best-of comme ça sur TikTok, c'est bien mieux que de faire un gros best-of. À la limite, genre, je les assemble à la fin pour faire un gros best-of, mais... Je préfère faire des mini best-of pendant la nuit et tout. C'est plus intéressant pour moi. Bah, maintenant, je peux les sortir de là. En vrai, la flemme de continuer à faire le golemon, là.
Au moins, on va les keep damage dès maintenant pour que au prochain tour on puisse se tuer. Alors. Ouais, tranquille. Hein. De toute façon, il survit même si l'autre il touche. Non, mais j'en ai marre! C'est quoi cette chance? Je rate des 91%, je me fais toucher par des 22%. C'est l'hôpital qui se fout pas d'acharité, là. Je crois que j'ai raté l'expression. C'est fait exprès, de toute façon, c'est scénarisé. Tout est scénarisé. Vas-y, bah... Oh! Je sais pas. On va faire ça d'abord. Bah ça a pas marché. C'est l'hôpital et la charité qui se foutent de toi. Non, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Ça, tu m'as fait, tu m'as fait. Je rate un 58%, je rate un 92%. Bientôt, je vais rater un 100%. Les gars, j'ai une anecdote qui est vraie. Fire Emblem 6, c'est le seul jeu Fire Emblem où il est possible de rater un 100% de chance. Vous avez très bien entendu, il est possible de rater un 100% de chance. En fait, c'est une erreur dans les calculs du jeu et t'as une chance minime, vraiment très minime, de rater un 100% de chance. Ce qui est complètement con vu que c'est 100% de chance. C'est vraiment, si ça m'arrive de rater un 100% de chance, je pense que je suis la personne la plus malchanceuse. Goomba, il a trop me dire, non, mais toi, t'as trop de chance et tout. Comme dans les premiers Pokémon. Ouais, ça aussi, j'ai la ref. Tu peux rater, c'est une chance sur 256. Mais non, mais dans Fire Emblem, c'est bien plus, c'est genre une chance sur 1 million, un truc comme ça. T'imagines, je pourrais gagner au loto. Sauf que je gagnerai pas au loto, je raterai un coup à 100%. Ce n'est pas la même valeur. Arrête de rater, s'il te plaît. Alors, ton... Oh, merde. Ton truc n'est... Ah, mais il a failli mourir. Mais je joue trop mal. Je joue trop mal. Je l'admets, hein. Je l'admets. J'adore Fire Emblem, les gars. Mais je suis... claqué au sol. Je suis nul à Fire Emblem, les gars. C'est... Faut l'admettre, maintenant. Faut l'admettre. J'aimerais bien tuer cet archer. Il me dérange. Il me dérange. Attends. Il n'a pas la range. Du coup, lui, il peut venir ici. Ok. Je la mets avec le javelot. Toi, tu vas directement avancer. Volt, tu as pick up les kills, là. Ah bah non. Du coup. Tabanouche. Marcus, tu cours. Oh, le coup critique, let's go. Il sert à rien, le coup critique, hein. Mais tu vois l'animation, c'est sympa. Toi, Lens, tu vas ramener Hélène, comme ça ils auront un healer par là-bas. Ils en auront besoin. Toi, tu le tues. J'espère en tout cas. Ah là 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 là, ça fait du bien quand même, hein. Wesh ma manette. Wesh ma manette. C'est... Carrément, t'as même pas réussi à écrire lol. Donc attendez. Je vais quitter le jeu, je vais revenir directement. C'est ma manette, elle a bugué. Non mais... Quand même, ce qui vient de se passer là, c'est... C'est pour m'abattre. C'est littéralement pour m'abattre. Comment ça, je rate un 80%, je me fais toucher par un 40%. Y a quelqu'un qui veut me tuer. Ah,
Alors, plein écran. Ça devrait aller alors. Ouais, c'est bon. Du coup, on revient à la save. Bon, bah, si tu rates ce 57%, il y a 49% de chances que Volt, ça dégage. Dehors! Let's go! Ouh. Bors, le perso que je pense que c'est la seule utilisation que j'aurai de lui pendant toute sa vie. Il a pu me sauver la mise au moins. C'est déjà bien. Il y a des gens qui rêveraient de me sauver la mise. En fait, ouais, j'ai de la malchance, mais après, j'ai de la chance. Aussi minime qu'elle soit, mais j'ai de la chance. Aussi minime que 67%. Ah! Mais je me fais toucher par un 34%, mon ami. Sur un enchaînement, il peut mourir. Alors, merci, Bors. Ah, une prochaine fois dans un monde alternatif, peut-être. Même dans un monde alternatif. Ok. Non, mais il est mort. L'archer, il va le tuer. L'archer, il va le tuer. L'archer, il va le tuer. C'est tellement chiant de voir quelqu'un qui va mourir se battre jusqu'au bout. Il prend tout l'XP, sale radin. Premier mort, Lot, qui veut dire ceinture en portugais. Au moins, il kill un Vandai. Ouais, mais il prend toute l'XP. L'XP, au moins, tu la donnes à ton frère, non? Je sais pas. Du coup, attends. Faut que je cherche. Lot. Portrait. FX. Voilà. Je devrais le trouver rapidement. Il était chargé rapidement aussi. Ouais, voilà, lui. HTMS. Portrait. Voilà. Donc, Streamlabs, source, image, ajouter une source, écrire Lot, et on va mettre le petit Lot, voilà. Est-ce que vous le voyez? Attendez, je vais voir si vous le voyez. Ouais, vous le voyez en tout petit. Vu qu'il est tout seul pour l'instant, je vais mettre son portrait en grand. Mais plus il y aura des personnes et plus je vais les rapetisser. Faut que je le repose comme ça. Voilà, je vais le mettre non, un peu plus chic quand même. Genre comme ça. Attends, je vais regarder sur mon écran. Enfin, sur mon téléphone. On ne t'a pas regretté. On n'a pas eu le temps de faire des liens avec toi. Ouais. De toute façon, j'utilise tout le temps son frère. J'utilise jamais lui. Il est pas. Il a pas de charisme, t'as vu? Il est pas français. Merde, il dépasse. Je suis trop bête. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Je fais n'importe quoi à l'aide. Voilà, on va le mettre là. No more. Ouais, voilà. No more. C'est son seul mot qu'il aura pu dire. Allez. Passons à autre chose. Sa mort n'est pas si terrible en vrai. De toute façon, je l'aurais pas utilisé. On n'a qu'à dire qu'il libère de la place. Il libère de la place, voilà. J'ai perdu ma stéréo. Allez, faut que je quitte le jeu encore une fois. Oh, j'en ai marre de perdre ma stéréo de temps en temps comme ça. Du coup, faut que je relance le jeu, encore une fois. No more. Ah, ouais. Sauf qu'il est mort, du coup. Il n'y a pas eu de no more. S'il aurait dit ça avant et qu'il aurait survécu, ça aurait pu être plutôt comique.
Il a dit ça après comme un con. Mais ma stéréo! Ma stéréo, reviens! Je sais pas pourquoi le jeu il bug! Allez. C'est bon, s'il vous plaît. Ok, c'est bon. Tu le tues, voilà. Tu venges ton ami. Venges ton ami. Venges ton ami. Qui est nul, mais venge-le. J'ai un peu peur. Est-ce que ça se fait one shot? Je pense pas, hein. 17 points de vie. 19 d'attaque. Moins combien? Ouais, c'est moins super one shot. Ça devrait aller. Mais faut quand même faire un truc. Bon, au moins il a clear un peu, c'est vrai. Attends, en vrai, il a clear un peu. Mais j'aurais aimé avoir l'XP. Comme on dit, on peut pas tout avoir. Du coup, je vais les rescuer un peu pour pouvoir les faire aller plus loin. Voilà. Je devrais aller acheter des potions. Ok. Ok, t'as esquivé, c'est bien. Ah, bah, ça, c'est l'un des nombreux level up. Les level up où il va avoir l'HP, le skill et la luck, c'est tout. Il va rien voir d'autre. Et du coup, il va rester nul. Là, faut que Shanna t'arrive à le tuer pour gagner de l'XP. J'aimerais bien t'entraîner. Pour aller à la route d'Ilia. Non, du coup. Non, du coup. Non, du coup. Si je lui donne une épée de fer, tiens, ça peut passer en vrai. Tu trades avec lui, paf. On va le drop. Oh, parfait. Il faut juste pas qu'il crit. Comme ça, Shanna peut le tuer. Deux dégâts. Ouais, c'est trop triste. Mais, quand je dis faut pas crit, mais tu veux quoi? Tu veux quoi? Oh, tu cherches les problèmes, toi. Je te dis, ne crit pas, il crit, ce bâtard-là. Déjà que 2 dégâts, c'est triste. Mais si elle continue comme ça, elle va continuer à 2 dégâts. La luck anti-luck. Voilà, tu as très bien résumé. La luck anti-luck. Y'a que à moi que ça arrive. Vraiment, c'est comment tu peux avoir de la chance et de la malchance? C'est complètement logique. Ah, mais du coup j'ai perdu une bipène. Non, la mort de l'autre quand même, elle m'a fait perdre du matériel. Elle m'a fait perdre une bipène, elle m'a fait perdre une stylax. Ça m'a fait perdre beaucoup de matériel, c'est dommage. J'aurais aimé au moins lui prendre tout son matériel. Tu vois, le dépouiller un peu. Avant ce drame. Ok, t'as tout été pointé. Ah, à toutes. Je rentre dans 5 minutes, ok. Ah, il bouge pas, let's go. Oh, je peux faire un setup pour tout être tuer l'archer là. 11 plus 11. Alors. Ouais, non. Non. Si je fais genre ça, je peux tenter le setup. Pour l'instant, je vais grainer les supports. Hein. On va faire tiquer lui aussi. Qui a besoin de soins? Toi, tu vas être il... Voilà. Donc,
Il lui restera 3 PV. Ok, ça va. 11, ok, bah tranquille. Maintenant, bien sûr, comme de par hasard, il va crit. Comme de par hasard, pour montrer qu'il a envie de le tuer. Et bien sûr, ah! Il a un javelot. Il a un javelot. Là, ça change tout au plan. Ça change tout au plan. Bon, on prend le risque. Je vais essayer aussi d'avoir la good ending du jeu et pas la bad ending. Comme ça, vous verrez tout le jeu en entier. Je dis pas que ça va être facile. Oh, si tu cries, ce serait le meilleur truc. Bon, bah tu l'as pas fait. Non. Du coup, là... ouais, bah... Tu devrais survivre, quoi. J'espère, en tout cas. Parce que si Chanel meurt, ça va être chiant. J'aurai pas de flyer avant le montant. Je vais m'acheter des potions. Voilà. Alors, je sais que je m'en suis acheté plein, mais c'est normal. Ça me sert pour tout le jeu. Allez, 35%, 35%, tu touches pas. Mais comment ça? Alors, le portrait d'Hélène parce qu'elle vient de mourir. Je viens de perdre mon healer. Attends, je dois attendre jusqu'à 2 chapitres plus tard. 2 chapitres plus tard pour avoir un nouveau healer. Oh là là. Heureusement que j'ai acheté plein de potions. Je devrais trouver son portrait là. Ouais, voilà. Non, mais le... j'aimerais bien. Là. Comment faire? J'aimerais bien avoir son portrait en PNG. Mais je ne l'ai pas. Je ne l'ai point. Mais comment ça se fait? Normalement, le résultat il vient direct. C'est terrible. Ouais. C'est terrible. Au lieu de tuer ma cavalière Pégase, il a voulu tuer directement ma healeuse. Je sais pas c'est quoi le pire, perdre ma healeuse ou ma flyer. Ah ok, j'ai trouvé le PNG. En plus il est directement nommé, donc j'ai pas besoin de lui donner un autre nom. Streamlabs. Source, image, ajouter une source. Hélène. Bah le portrait d'Hélène. Bon. Ah mais là le portrait va être transparent en fait. En fait, j'ai des portraits qui sont transparents et d'autres non. C'est pas un peu moche? Attendez, je veux voir pour l'autre, vite fait. Si je peux pas trouver un PNG pour l'autre. Je devrais trouver en vrai. Ouais, c'est bon.
Je vais devoir changer de truc. Voilà. Donc l'autre, je vais modifier et je vais mettre un autre. Là. Ah voilà, il va être transparent, c'est mieux. Et toi, tu vas être plus petite. Voilà. C'est un peu désordonné, mais ça va. Du coup, on continue. On a eu 2 morts pour l'instant. Donc 2 morts. J'ai encore le problème avec la stéréo, j'ai pété un câble. Frère, je perds ma healeuse. Bon bah je vais acheter plus de potions que prévu hein. Genre 2 en plus. Et pour la peine je vais essayer de te tuer avec elle. Sauf que je dois l'healer avant. Donc 'Vengeance! Oh j'ai une idée. J'ai une idée. Vas-y. Vas-y, vas-y, Goomba, Goomba, Goomba. Je tente le 67% ou pas? Est-ce que je tente le 67%? Ou est-ce que je le tente? Je peux le tenter, hein. Mais ça va être un peu difficile. Alors, que penses-tu? Je risque les 4% ou pas? Oui. Allez! Non! Oui! 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 Non! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je comprends rien. Je comprends rien. Bon, je vais donner l'esprit à... Je comprends rien ce qui se passe. Bon, on va partir tuer le boss. Oh, oh le traumatisme que je vais avoir des séquelles. Hein. Du coup, on va grind les supports un peu. Ouais, voilà comme ça. Si je fais comme ça. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps, c'est juste pour grind un peu avant le prochain. Sinon, vous allez bien, vous passez une bonne journée. Vous mangez bien. Vous mangez pas des potes, pas écouter et tout. Vous revenez de vos vacances peut-être. Ou vous êtes en vacances. Je sais pas, dites-moi. Je sais qu'il y en a un ici, il est chez lui, comme moi. Donc un support, toi qui un support, ok. Bah un peu le seum qui n'est pas de support. Ah d'accord. Ah bah Roy t'es très très fort hein, de faire de dégâts au boss hein. Ouais bah Chana ça va devenir le livreur. Le livreur chronopost. Elle va nous chercher un objet qu'on aura besoin. C'est l'Armor Slayer. Eh oui. Ça nous permettra de deviner quand même, deviner l'Armor Slayer, deviner d'abattre les armures. Voilà, c'est quand même plutôt fort hein, pour ce boss. Alors j'utilise Kanto déjà. Parfait. Oh. Là, tu lui fais des dégâts de gratte. Tu le chip damage. Et toi, Roy, tu le termines. Ouais, tu le termines tranquille. Hein.